Il existe différents types de gynécomastie chez l'homme. La gynécomastie graisseuse, qu'on appelle aussi adipomastie, qui est uniquement un excès de graisse au niveau du muscle pectoral. Il existe aussi une gynécomastie glandulaire, qui est un développement anormal de la glande mammaire chez l'homme. Enfin, il existe aussi une gynécomastie mixte, qui comprend un excès de graisse et un excès de glande. En fonction du type de gynécomastie, la chirurgie peut être légèrement différente. En cas de gynécomastie graisseuse, une liposuction sera suffisante. En cas de gynécomastie glandulaire, il faudra inciser autour de l'aréole pour retirer la glande qui sera et envoyer une analyse. Et en cas de gynécomastie mixte, on proposera une liposuction associée à une extraction de la glande.